Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans le tutoriel très demandé de la vaisselle en Fimo. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Je vous préviens, je ne suis pas une experte en vaisselle en Fimo. Donc il vous faut tout d'abord de la pâte blanche que vous allez étaler, donc au rouleau ou à la machine à pâte, mais moi je commence par le rouleau et je termine par la machine à pâte, c'est plus régulier. Ensuite, j'ai pris le bouchon d'un tube de peinture, voilà, pour me faire un gabarit assez gros. Je viens faire des marques et je vais couper tout autour des cercles. Je commence par faire les assiettes. Ensuite, je décolle mes cercles et je vais prendre de la maïzena ou de la fécule de maïs. C'est comme vous voulez, en fait, c'est la même chose la maïzena, c'est juste la marque, hein. Vous pouvez aussi prendre du talc. Pas de la farine, le grain est beaucoup trop gros. Donc ensuite, je viens essuyer comme ceci pour pas que ça colle par la suite et en plus ça enlève les marques de doigts. Et je viens enlever toute la bordure comme ceci, je viens l'adoucir. Je retourne mon assiette et je prends mon petit Doliprane qui est vide. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre voilà, des petites choses comme ça que vous avez chez vous. Je l'appuie légèrement et je viens soulever légèrement les côtés. Enfin les côtés, le bord. Ensuite, voilà ce que ça me donne. Donc ce que vous voyez au bord, c'est de la fécule de maïs. Je vais faire des petits plats, donc dans lesquels vous pouvez mettre, je sais pas moi, des bonbons, ce que vous voulez, pour faire une jolie décoration sur vos photos par exemple. Pour cela, j'utilise un gros boulet, donc voilà la taille à peu près par rapport à ma main. J'aplatis un petit morceau de pâte pour qu'ensuite il tienne debout, sans pencher. Et donc, je vais m'aider de mon gros boulet pour faire la forme. Je mets un petit peu de fimo liquide au dos et je viens mettre mon petit morceau de pâte fimo. Ensuite, je vais faire des petits bols. Donc là, j'ai juste pris le gabarit de mon petit emporte-pièce Doliprane. Et je viens comme ceci entourer ma bille. Donc si ça colle pas, c'est normal. Je mets aussi un petit bout de pâte pour que ça tienne debout. Et je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à limer tous les bords. Et c'est terminé. Bisous bisous.